Je m'appelle Paltin Notara. Je suis un descendant du grand-duc Luca Notaras, dernier chancelier de l'Empire de Byzance au moment de sa chute, il y a plus de 500 ans. Mon ancêtre vécut à Constantinople, la capitale de l'Empire. À sa mort, il a laissé un manuscrit inachevé, écrit en partie pendant le siège qui a précédé la prise de la ville par les Turcs ottomans. Il s'agit d'une sorte d'essai qui retrace toute l'histoire de l'Empire byzantin depuis sa fondation jusqu'à sa chute. Quand mon ancêtre termine ses écrits, il a le sentiment de sa fin prochaine qui se confond avec la disparition d'une civilisation. Mon voyage sur les traces de la civilisation byzantine, je l'entreprends aussi en souvenir de cet ancêtre. Mais surtout parce que Byzance, après avoir vécu 11 siècles, semble presque oubliée. La ville dans laquelle je débarque aura porté au fil du temps trois noms. Byzance, Constantinople et aujourd'hui Istanbul, symbole de la Turquie moderne. Je traverse le Fanar, ancien quartier de Constantinople, qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec la splendeur d'antan. Et des grandes familles nobles de Byzance qui l'habitaient, dramatiquement liées à la fin de l'Empire, il n'y a presque plus de descendants à Istanbul. Dans ses écrits, mon ancêtre mentionne souvent cette église, Saint-Jean de Studios, l'une des plus anciennes de la ville. Chaque fois que je viens à Istanbul, je retrouve ici comme une Byzance originelle. D'ailleurs, mon ancêtre, le grand-duc Luca Notaras, venait s'y recueillir au moment du siège ottoman en mai 1453. En ces jours difficiles, qui ressemblent à une fin d'empire, j'ai eu envie de mettre en ordre mes commentaires sur son histoire, dont je n'arrive plus à voir l'avenir. Ne risquons-nous pas de tous disparaître? Où devrais-je commencer cette histoire? Peut-être 300 ans après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand l'Empire romain, après des siècles de paix et de prospérité inégalées dans un espace immense, réunissait l'Occident et l'Orient autour de la Méditerranée. L'Empire est plusieurs fois menacé par les barbares d'Occident et les Perses, qui pillent trop souvent les greniers à blé et les cités les plus riches d'Orient. Même si la richesse était encore très grande en Afrique, en Espagne, en Italie et en Gaule, les Romains commençaient à perdre leur âme. Les guerres incessantes de succession, le dépeuplement des villes, la corruption des fonctionnaires rendaient l'Empire difficilement gouvernable. Retrouver son âme, c'est savoir renaître. C'est comme cela que je vois la création d'une nouvelle capitale de l'Empire par Constantin le Grand, homme énergique et vertueux. Il décide donc de changer le centre du monde. Là où se trouvait la richesse de notre empire. Là où s'était développée notre foi, le christianisme. Là où il était plus facile d'intervenir contre les barbares d'Occident et d'Orient. Maintenant, alors que je profite d'un des rares moments de répit que nous laissent les Turcs pour mettre de l'ordre dans ses commentaires, avec l'aide de ma fille Anna, je me remémore comment Dieu a guidé le choix de Constantin. Pour cette nouvelle capitale, il choisit d'abord la rive asiatique du Bosphore. Les travaux étaient déjà commencés lorsque des aigles venant du ciel enlèvent les cordages des mains des ouvriers et les transportèrent de l'autre côté du détroit. Constantin s'établit sur le plus majestueux des sites où se trouvait déjà la petite ville provinciale de Byzance. Que n'aurais-je donné pour assister à la mise en œuvre de cette nouvelle capitale? La Corne d'Or et le Bosphore forment un endroit mythique,
qui a toujours frappé l'esprit des voyageurs. Regarder l'Asie à partir de l'Europe apparaît comme un appel vers l'Orient, vers un ailleurs où tout semble possible. Comme Lucas, j'ai l'impression qu'en choisissant ce site, Constantin le Grand a dû éprouver le sentiment d'un renouveau et d'un futur. Quand je me promène dans Istanbul, je vois une ville qui recycle les vestiges de l'histoire. Ceux de l'Antiquité grecque, de l'Empire byzantin et des Turcs ottomans. Télescopage de civilisation et de religion. Ce qui est étonnant dans la nouvelle capitale à construire, c'est que tout est servi à tout. Le marbre des temples, les sculptures des dieux et des déesses grecques, les mosaïques importées de Rome, le gigantisme perse, les obélisques égyptiens ont été utilisés sans complexe. Byzance affleure sous Istanbul. Cette ancienne citerne byzantine, un des plus importants réservoirs d'eau de la ville, fut construite en grande partie sur des vestiges tels que ces chapiteaux et cette gorgone, pillage déjà de sites antiques grecs. Pillage nécessaire pour la mise en place de ces 336 colonnes. Dans l'esprit de Constantin, elle devait par sa splendeur être digne de la future maison de Dieu, tout en incarnant la continuité avec Rome. La ressemblance avec Rome était partout proclamée. On s'efforce de retrouver dans le relief les 7 collines. Et comme à Rome, la ville est divisée en 14 quartiers. Les premières murailles, défendues par plusieurs tours et un fossé, devaient agir comme un verrou infranchissable de l'Empire contre les barbares. Les Perses, les Huns, les Goths, qui peu à peu l'affaiblissaient inéluctablement, risquant de le conduire vers la paralysie. Il me semble que jamais si grand projet ne vit le jour en si peu de temps, changeant à ce point la face du monde. Mais au moment de son inauguration, le 11 mai 330, la nouvelle capitale ressemblait encore à un immense chantier. Il fallait prévoir l'installation sur place de milliers de fonctionnaires qui résidaient à Rome, d'une partie des sénateurs, enfin des familles de patriciens romains auxquels l'empereur attribue gratuitement des palais pour les attirer dans cette nouvelle Rome, appelée désormais Constantinople, la ville de Constantin. Pour peupler rapidement notre ville, les Jeux du siècle s'accompagnaient de distributions gratuites de vivres. Ces coutumes des temps païens, je ne les aime pas, même si elles étaient utiles pour canaliser la violence populaire. L'empereur s'adressait à son peuple, assis dans la loge impériale de l'hippodrome. Un espace immense dans lequel se jouaient, à travers les courses infernales de chars à 4 chevaux qui tournaient autour des obélisques, une partie de la vie politique et la lutte pour le pouvoir. Les équipages étaient acclamés par le peuple divisé en 2 factions, les verts et les bleus. Dans l'enceinte de l'hippodrome, ces 2 factions exprimaient leur désir à l'empereur. Les verts voulaient des réformes. Les bleus étaient plutôt traditionalistes. Constantinople fut une réussite rapide. Elle permit de sauver l'empire, car les barbares qui ne purent la prendre se détournèrent vers l'Occident, ce qui nous permit de préserver les villes d'Orient et la richesse de l'empire. C'était la sagesse même. J'ai toujours pensé que les barbares devaient s'apprivoiser par des tentations liées à l'argent et au prestige, comme de nommer certains d'entre eux auxiliaires militaires de l'Empire. Une très vieille et sage tradition, mais malheureusement, quelquefois, ils garderont pour eux les territoires dont ils avaient la charge. C'est ainsi que nous perdîmes une partie de l'Occident, et surtout, en 476, Rome. Ce qui pour nous était non seulement un deuil, mais aussi une confirmation du bon choix qu'avait fait Constantin le Grand.
La Corne d'Or et le Bosphore se rejoignent à l'ombre de Sainte-Sophie, qui oriente la géographie et l'histoire de l'Orient à l'Occident et de Byzance à Istanbul. Ce n'est pas étonnant que les habitants d'Istanbul se définissent parfois comme les Orientaux de l'Europe ou les Européens de l'Orient. Mon ami Cenk, Stambouliot depuis toujours, se reconnaît dans une civilisation qui portait à la fois les valeurs de l'Orient et de l'Occident, le vieux rêve byzantin. Bon, alors deux, ça fait deux, un, ben deux, voilà, ça fait deux, et un. C'est quoi pour toi un byzantin ? C'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes s'il y a des vrais byzantins, je dirais oui. Ah, là, je suis agréablement surpris. Je dirais oui, parce que regarde, les Roumis, tu vois, qui vivent ici en Turquie, ne se diront jamais grec, ils se diront Roumis. Ah, ça, donc, c'est très intéressant. Roumain, Roumis, oui, donc oui. Rome d'Orient, ils ont pris la succession. D'accord. Mais maintenant, quand tu dis l'Empire romain est venu jusqu'ici et après Byzance est formé, donc, mais ça n'a aucune importance, il n'y a que les chefs qui changent. Oui. C'est toujours les mêmes qui vivent, en fait. Regarde, en tant que Turc, je vais dans la Sainte-Sophie, tu vois, c'est ma civilisation, ma culture. Donc il n'y a pas de coupure pour toi? Il n'y a pas de coupure pour moi. Non. C'est quand même les Anatoliens qui l'ont réalisé, en fait. C'est les gens de cette terre. Dans l'ensemble, on hérite pas mal de choses de Byzance. Hein. Mais je pense que, comme à Byzance, donc, on est toujours à l'extrémité de l'Europe. Tu vois, mais en même temps, on n'est pas non plus dans le Proche-Orient. Aujourd'hui encore, quand tu viens de l'Occident à Istanbul, par exemple, tu es déjà en Orient. Oui. Regarde un peu le rythme des gens ici. Justement, c'est un rythme qui est agréable. Mais les gens agréable. Qui viennent du Proche-Orient, tu vois, en arrivant à Istanbul, ils sont déjà en Europe. Quand on revient aujourd'hui, tu vois, la façon dont vivent les Turcs. Nous aussi, nous vivons les intrigues byzantines. Oui. Tu vois, ça ne change rien du tout. Et nous aussi, de la même manière, il y a des moments... On se prend un peu, enfin on se met un peu à la place de Byzance. Comme Byzance a été abandonnée, nous aussi. Mais dans d'autres manières. Donc il y aurait quelque part une sorte de le même comparaison sort. Qu'on pourrait faire entre la situation de Byzance absolument. Vers la fin, donc au 15e siècle, et la situation de la Turquie au début du 21e. Sauf qu'aujourd'hui, enfin dans le temps, les Byzantins ne couraient pas derrière l'Europe. Nous, on court derrière l'Europe. Les successeurs de Constantin le Grand ont continué son œuvre en renforçant l'administration de l'Empire et en consolidant les défenses de la nouvelle capitale. L'année 518, à Constantinople, un homme de 36 ans attend une décision importante qui va changer sa vie et celle de l'Empire. C'est le futur empereur Justinien. Doté d'une vaste culture en latin, en mathématiques et en droit, il est convoqué par son oncle, l'empereur, qui lui propose d'être associé au pouvoir. Son talent et sa puissance de travail sont tels qu'il finira par régner tout seul pendant 38 ans. Il était habité par un rêve. Restaurer la grandeur de l'Empire des Romains par la réunion de l'Orient et l'Occident. Erreur grandiose. Pourquoi une erreur grandiose ? J'ai toujours cru, à l'inverse de nombre de nos savants, que Justinien avait essayé de courir après un rêve impossible, devenu anachronique. Réunir à nouveau l'Orient et l'Occident. Mais le monde avait changé. Si l'Italie, l'Espagne, l'Afrique redeviendront en partie romaines, les Perses et autres barbares ne seront jamais écrasés. Il faudra couvrir l'Empire de forteresses et acheter la paix. L'Empire se retrouva exsangue, presque ruiné, ce qui l'empêcha de mener des réformes absolument nécessaires, comme limiter la puissance des nobles qui échappaient à l'impôt en quittant les villes et supprimer les fonctionnaires en trop grand nombre et corrompus. Les guerres incessantes s'accompagnaient de terribles séditions. La faction verte de l'hippodrome se souleva en l'année 532, qui fut éclaboussée de sang. L'épouse de Justinien, l'impératrice Théodora, était fille d'un montreur d'ours de l'hippodrome et d'une actrice de mœurs légères. Mais elle fit preuve d'une grande force de caractère.
N'ayant jamais cru aux illusions de son mari de réunir à nouveau l'Occident et l'Orient, elle le convainc de rester dans Constantinople. « Le pourpre est un beau linceul, lui dit-elle. Au lieu de s'enfuir, Justinien n'hésitera pas à faire tuer des milliers de révoltés dans l'hippodrome. Pour moi, Justinien restaura autrement la grandeur de l'Empire, en poussant à son point le plus accompli la science du gouvernement de l'État et des relations privées entre les hommes, sans laquelle ils ne sont que des barbares, le droit. Cet ensemble de lois, sans cesse amélioré au fil des siècles, défie encore le temps. » Le faste de son règne, je le vois aussi à Ravenne, en Italie, ancienne capitale d'empire comme l'avait été Rome. Il y résida souvent, lui redonnant un lustre impérial. Pour lui, Ravenne, qu'il aimait tant, était le symbole des reconquêtes en Occident. Par-dessus tout, c'est la splendeur de Constantinople qui symbolise son règne. C'est par la ville des villes qu'arrivaient soieries, esclaves, fourrures, épices et céréales, en provenance de la périphérie du monde. L'incendie de l'ancienne grande église de la ville, lors de la terrible sédition de 532, décide Justinien à faire édifier la plus imposante église de l'univers, Sainte Sophie. Une nouvelle coupole d'or, immense, passage de la terre vers le ciel, comme suspendue dans les airs. Ici, le couronnement d'un empereur devait frapper l'esprit de tout humain paraissant devant le lieutenant de Dieu sur terre. Je regrette le temps où le cérémonial de la cour était à la mesure du prestige de l'Empire, mais sans tomber dans ces extrêmes venus de l'Orient et de la Perse, comme lors de certaines audiences au palais. L'empereur se tenait, tel une statue vivante, d'or et de pourpre, au centre d'une cascade de lumière qui se jouait des matières précieuses recouvrant les murs. Le trône se soulevait dans les airs, accompagné des rugissements de lions animés par des mécanismes, alors que le visiteur attendait, face contre terre, le signe d'un battement de paupières de l'empereur. J'imagine cet espace gigantesque tel qu'il était, entièrement recouvert de mosaïques. Sous une coupole haute de 55 mètres, l'empereur, la cour, le peuple étaient comme immergés dans une bulle d'or sacré. Sainte Sophie reste la trace la plus monumentale de la civilisation byzantine. Ces deux mosaïques de Sainte-Sophie sont mes préférées. Pour moi, ces figures expriment le calme, l'intemporel. J'y vois l'Orient se mélanger à l'héritage de la Rome antique pour produire une vision du monde totalement originale, à la fois grecque et romaine, chrétienne et orientale. Beaucoup d'églises byzantines ont été transformées en mosquées. À Istanbul, il n'est pas rare d'entendre les versets du prophète qui résonnent sous les mosaïques du Christ.
L'un des plus grands dangers qui puisse être, ce sont les batailles qui ont pour siège l'esprit des hommes. Bien plus importantes que celles que nous livrions en Orient, aux Perses ou ailleurs. La naissance d'une nouvelle religion dans le désert d'Arabie, sous l'égide de son prophète Mahomet, annonçait ce danger futur, celui de la religion ennemie, l'islam. Les tenants de cette nouvelle croyance prétendaient conquérir le monde au nom de leur foi. Leur victoire fulgurante s'explique surtout par les querelles religieuses qui divisaient nos provinces. Les peuples conquis pensaient qu'avec les Arabes, ils seraient beaucoup plus libres de pratiquer leur culte hérétique. Notre sainte basilique chrétienne de Damas, en Syrie, servit à construire la grande mosquée du calife Omeyyade, qui abrite encore les reliques de certains de nos saints martyrs et des mosaïques sur les murs, comme à Constantinople. En 674, les Arabes arrivèrent avec leur flotte aux portes de Constantinople, qu'ils attaquèrent plusieurs années de suite. Une invention de nos savants qui permettait d'envoyer du feu sur la mer nous aida à détruire leur bateau, déjà mis à mal par une tempête. Ce feu et la Sainte Vierge, protectrice de la ville, firent que Constantinople fut sauvée une fois de plus. Mais pas seulement Constantinople. Nos murailles ont aussi brisé la vague de l'islam qui allait engloutir la chrétienté. Ce que les Occidentaux, dans leur ingratitude, oublièrent toujours. Il n'y avait plus d'Afrique romaine, et les riches villes telles Alexandrie, Damas, Antioche étaient aux mains des musulmans. Leur empire de commerçants s'opposait à nous, empire de grands propriétaires, de villages fortifiés, de fonctionnaires et de nobles unis à la gloire de notre empereur. La restauration de l'empire romain autour de la Méditerranée, c'était le projet initial de Byzance. Après la conquête arabe, la frontière religieuse va barrer cet espace. La Méditerranée ne réunit plus, elle sépare, et c'est vrai encore aujourd'hui. À ce sujet, j'ai une conversation avec Edem Eldem, historien turc, dans un lieu empreint d'une atmosphère tout ottomane, le Pera Palace. Dire que le rêve méditerranéen était un rêve byzantin ou vice-versa, oui, disons qu'il y avait une présence byzantine à la suite de la présence romaine qui était beaucoup plus méditerranéenne. Je crois que c'est probablement le dernier empire méditerranéen, pour une certaine période de temps en tout cas. Et les Ottomans n'ont pas su remplacer ça, n'ont pas su ou n'ont pas voulu, il ne faut pas non plus les juger, mais c'est pas ça. Donc le rêve méditerranéen, byzantin, romain, je crois qu'il est enterré pour un moment, en tout cas. Surtout avec cette scission entre le nord et le sud. Parce que maintenant, on parle d'islam et de chrétienté, alors que la Méditerranée, à l'époque, était un élément de synthèse, un lieu, un espace de synthèse. Cette synthèse a complètement disparu. Pour les contemporains de Byzance, il ne s'agit pas de Byzance, mais simplement de l'Empire romain. Il faut bien savoir que le terme de byzantin est un terme que la Renaissance a réinventé, en quelque sorte. Exactement. Donc les Ottomans appellent toute l'Anatolie le pays de Roum, donc le pays de Rome. Pour eux, Byzance ou Constantinople, c'est Constantinie, donc la ville de Constantin, Constantinople. Pour eux, donc, il y a une continuité qui n'est pas simplement byzantine, mais romaine. Et les Ottomans, ils sont parfaitement conscients de cette valeur symbolique. C'est-à-dire que Byzance, ou ce qu'il en reste, représente pour les Ottomans un lien direct au seul empire universel connu du monde méditerranéen, c'est-à-dire l'Empire romain. Je quitte Istanbul en empruntant le tracé de l'antique voie romaine qui reliait Constantinople à Rome. Je m'arrête à Thessalonique, ville qui, après la conquête arabe, était devenue d'une très grande importance pour les Byzantins.
Dans cette région, on ressent à la fois la Méditerranée grecque et les montagnes qui mènent vers l'Europe centrale. J'oserais dire que Thessalonique est comme un concentré d'empire byzantin. Une mosaïque de peuples, grecs, slaves, population d'Europe centrale, vénitiens, qui au fil des siècles ont habité la ville conquise, reconquise, avec des églises et des monuments qui témoignent de l'existence d'un des foyers les plus importants de l'orthodoxie. La proximité géographique de la ville avec Istanbul, à moins de 400 km, me fait voir dans les fidèles de cette église l'ombre des Byzantins de Constantinople. Le rite byzantin se prolonge aujourd'hui dans le rite orthodoxe. La liturgie qui vient de Byzance, je la vois comme une scène où se déroule l'adoration de Dieu dont la présence est écrasante. Influence de l'Orient. Au milieu du 8e siècle, après avoir fait face à nos anciens ennemis, les Slaves, les Perses et les Arabes, à l'intérieur de nos frontières, une querelle faillit casser l'unité religieuse de l'Empire. A-t-on le droit de représenter Dieu? Y a-t-il un lien entre l'image et le divin? Des gens de la cour, des savants et des théologiens remettaient en cause le pouvoir excessif des moines qui, depuis des siècles, poussaient à l'extrême l'idolâtrie des icônes, des reliques, de la croix et des vêtements du Christ par le peuple. Leur adoration était une source d'énormes revenus et de dons en terre ou en argent pour les monastères. On s'inquiétait aussi, pour des esprits simples, que l'objet adoré puisse remplacer Dieu lui-même, se rapprochant par là d'une conception païenne du monde. Mais Dieu ne s'est-il pas rendu visible à travers son Fils? Se demandaient certains moines iconolâtres des monastères les plus riches. Et même si l'image et le modèle sont semblables, pourquoi l'interdire? Tout simplement, le divin ne supporte pas d'être incarné dans une matière vulgaire, prétendaient les membres du parti opposé, les iconoclastes. Jusque dans les villages les plus reculés, le peuple débattait de cette question. L'image est-elle subversive? Les Byzantins sont fascinants par la lucidité avec laquelle ils ont abordé cette question, toujours très actuelle, centrale dans l'islam et dans la civilisation occidentale. L'empereur Léon III, en suivant l'avis de beaucoup de savants qui pensaient que Dieu et son image étaient la même chose, interdit en 730, à la grande colère du peuple, tout culte des reliques et des images que l'on commença à effacer dans les églises. Ces querelles provoquèrent des morts. Certains sont devenus des martyrs. Les soldats qui servaient en Asie détruisaient les images, alors que d'autres se battaient pour la possession des reliques. Qui, croyaient-ils, assurer la victoire? Dans ce déchirement qui a duré une centaine d'années, ce sont deux impératrices, dont l'une avait pourtant crevé les yeux de son fils pour régner à sa place, qui ont mis fin à la querelle par leur force de caractère. Ce qui me conforte dans l'idée que Dieu accorde sa grâce aux hommes comme aux femmes. Pour ma part, j'aurais été comme elle, favorable au culte des images, car en tant que Romain et Grec, je suis attaché à l'usage de toutes les ressources du génie humain dans la noble tâche de célébrer Dieu. Je me suis toujours méfié, en ces matières, de l'esprit extrême de l'Orient. Cette querelle des images eut tout de même des éléments positifs. On exhuma les vieux manuscrits de philosophie et de science écrits en grec 1000 ans avant par Aristote, Platon, Euclide. Beaucoup pensaient que ces manuscrits étaient infectés de pensées païennes, et ces ouvrages, dans nos bibliothèques de l'Empire, étaient tombés peu à peu dans l'oubli. Notre grand savant, Léon le mathématicien, retrouva ainsi ces vieux textes dans des monastères. On se rappela que Platon avait démontré que l'idée et l'apparence n'étaient pas la même chose, ce qui permettait d'argumenter en faveur de la représentation de Dieu. «
La culture philosophique et scientifique de la Grèce antique retrouvée grâce aux querelles religieuses. Ce sont les paradoxes de Byzance. Ce lien entre l'héritage antique et Byzance, on le retrouve aussi à Mystra, une ville byzantine devenue fantôme, surplombant l'ancienne cité de Sparte. C'est ici, au sud de la Grèce, que se trouvent également les racines de ma famille. Mystra est pour moi le symbole de l'art de vivre byzantin. Dire que cette ville morte abritait environ 10 000 habitants, qu'il y avait un palais, 6 monastères, une multitude d'artisans et un excellent système d'adduction d'eau. Quand je vois ce paysage, j'éprouve une sensation d'équilibre. La vie campagnarde qui s'insérait dans un réseau de petites villes fortifiées comme celle-ci. Cela me rappelle le proverbe byzantin « boire le vin de sa vigne assis à l'ombre de son olivier ». Cela était peut-être l'atmosphère dans laquelle vivaient mes ancêtres, les Notaras, qui possédaient des terres ici. Je pense que vers l'an 1000, dans les territoires byzantins, on vivait infiniment mieux qu'en Europe de l'Ouest. On vivait mieux car il y avait un état de droit centralisé, administré par des fonctionnaires hors pair, une monnaie unique, une armée et des responsables civils sous l'autorité d'un seul préfet local. Il est possible que l'idée de l'État qui régule et qui arbitre soit un héritage de Byzance. On a beaucoup ironisé sur les Byzantins et leur discussion interminable sur le sexe des anges. Plus sérieusement, l'ange byzantin est pour moi le symbole de cet état religieux. Cet ange est le passeur entre la terre et le ciel, entre la cité de Dieu et la cité des hommes. L'empereur byzantin est comme l'ange, mi-homme, mi-dieu, lieutenant de Dieu sur terre, comme le dit Lucas. J'aimerais revenir plus souvent à Monemvasia, d'où ma famille est originaire. D'ici, les Notaras, armateurs et marins, participèrent dès le XIIIe siècle aux guerres maritimes de l'Empire. Le monde arabe, les Byzantins, les Latins, se sont rencontrés ici, et leurs combats ont marqué ce réseau d'îles fortifiées du sud de la Grèce. Au fur et à mesure de l'évolution sociale et politique, ma famille, devenue proche de la cour impériale, s'installa à Constantinople et certains Notaras occupèrent de hauts postes dans l'administration de l'Empire. La maison des Notaras avait contribué à établir les routes maritimes dont Constantinople était devenue le centre. Des taxes frappaient les marchandises provenant des villes arabes et des empires non chrétiens de l'autre extrémité du monde, tel ce pays appelé Inde. Les marchandises arrivaient également dans les villes naissantes de l'Occident. Pour cela, il nous fallait conserver absolument les côtes de la Dalmatie et les contrées au-delà. Labyrinthe de territoires et de langues que nous avions toujours eu beaucoup de mal à fédérer, tant les invasions des barbares et de nomades en tout genre, les raids arabes, les rendaient inhospitalières et dangereuses. D'ailleurs, ma famille avait toujours su se garder de ces territoires en ayant la sagesse de ne jamais s'y installer. La découverte de cette région de l'Europe est importante pour moi aussi. Et je souhaitais depuis longtemps y venir.
J'ai la conviction que l'histoire de Byzance est fondamentale dans les convulsions récentes de cette partie de notre continent. Les Balkans, ça évoque quoi? Des barrières, et encore des barrières. Barrières de langue, de religion, de culture et d'ethnie, de mode de vie. Des barrières qui conduisent à la guerre, aux déportations, aux invasions, et ce jusqu'à une période très récente. Au cours de l'histoire, les Balkans, ou la Thrace et la Dalmatie, ainsi que nomme cette région Luka, c'était la haute montagne abrupte, les nomades albanais, les paysans sédentaires valaques ou slaves des hautes vallées, face à des citadins habitant des villes aux palais somptueux au bord de la mer Adriatique. Je débarque à Poreč, au nord de la Croatie, une de ces villes entre deux mondes, catholique et orthodoxe. Visiter l'un des plus vieux évêchés de la chrétienté, il date du VIe siècle, éveille en moi le souvenir des confins de l'ouest de l'Empire, lieu de toutes les convoitises, où les différences se confrontent. Luka Notaras sent bien que tout va se jouer ici, au point de contact entre les chrétiens occidentaux attachés au pape et les chrétiens d'Orient, les byzantins, attachés à l'empereur. Les pires ennemis sont parfois nos cousins. Je parle des chrétiens d'Occident. Depuis la création de Constantinople, les papes de Rome avaient pour mission de christianiser les barbares d'Occident et soutenir le seul empire chrétien légitime, notre empire romain. Mais ces papes étaient aveuglés par des préoccupations de pouvoir, alors que seul notre empereur pouvait se prévaloir de gouverner les hommes au nom de Dieu. Un geste funeste fut accompli en l'an 800, pendant les fêtes de la naissance du Christ. Le pape, usant d'un stratagème indigne, couronne Charlemagne à Saint-Pierre de Rome avec le titre d'empereur romain d'Occident. Il posa la couronne sur la tête de Charlemagne en le surprenant et le mettant devant le fait accompli. Le pape créait un usurpateur en nous volant le titre d'empereur des Romains. Et c'est là que je situe les prémices de la diminution du prestige de notre empire en Occident. Monseigneur Ivan Milovan, évêque de Poreč, dit la messe dans une église byzantine devenue catholique suite à l'avancée occidentale. Il porte en lui cette nostalgie d'une diversité pacifique, symbolisée par le complexe palatial où se trouvent l'église et le palais épiscopal. Le monde chrétien du VIe siècle était déterminé par cette culture byzantine. Par sa force et sa vivacité, elle a su s'imposer et imprégner toute son époque. D'autres styles se sont rajoutés ensuite. Mais nous sommes contents que ce monde-là soit conservé dans nos monuments. Nous nous en réjouissons car c'est une manière pour nous d'être liés à l'Orient. Par la suite, l'unité qui existait dans le monde chrétien à cette époque a disparu au profit des divisions Est-Ouest et Nord-Sud. Cela pourrait donc peut-être éveiller la nostalgie de cette unité de l'Église chrétienne, qui au début avait su bâtir une union fondée sur des différences. Les papes de Rome ont encouragé peu à peu cette doctrine étrange qui veut que le Saint-Esprit procède à la fois de Dieu, le Père, et de son Fils. Alors que nous avions toujours été fidèles aux préceptes originaux de l'Église, Dieu le Père est la source de tout. C'est ainsi qu'au fil des siècles et des conciles, nos points de vue divergèrent de plus en plus. Avec d'autres motifs de désaccord, moins graves, comme le pain de la communion, le mariage des prêtres, la longueur des barbes chez les membres du clergé. Jamais nous n'avions douté de conserver la civilisation universelle. Un seul empire, une seule foi. Jamais nous n'avions douté de la loyauté de nos cousins chrétiens d'Occident, jusqu'à ce que l'horreur se produise. Les divisions religieuses, elles renaissent comme des phénix, dans les contextes les plus pacifiés. Le calme de cette ancienne église byzantine où se célèbre le rite catholique ne doit pas faire oublier que la Croatie catholique et la Serbie orthodoxe se sont fait la guerre dans les années 1990,
la fédération yougoslave à peine dissoute. Les régions de la Dalmatie, de la Thrace, étaient nos points d'appui pour christianiser les immenses territoires du nord et de l'ouest, tout en évitant les missionnaires du pape. Il fallait absolument combattre cette hérésie du rite latin, l'égalité du Père et du Fils quant à la transmission de l'Esprit Saint. À certains égards, nous étions parfois plus rapides que les missionnaires d'Occident, qui travaillaient sur les mêmes terres que nous. Et certains royaumes, comme celui des Serbes, s'étaient convertis à notre religion dès le milieu du IXe siècle. Par notre influence aussi, un nouveau peuple, les Russes, de la ville princière de Kiev, qui avait menacé à trois reprises Constantinople, se convertirent en masse en l'an 988, et cela par le bain de tout un peuple dans un de leurs grands fleuves. Grâce à Cyrille et Méthode, nos deux grands missionnaires partis de Thessalonique, l'on peut écrire sans exagérer que la moitié du monde partageait nos conceptions religieuses. La moitié du monde. Dans les commentaires de Lucas, on rencontre souvent ce genre de certitude. Le décalage entre la réalité d'un empire qui devient régional et le fait de se prétendre successeur des Romains a fait dire à certains que la société byzantine avait eu une attitude quasi schizophrénique qui s'accentuait au cours des siècles. Et qu'est-ce qui fait de nous des Romains? À cette question, je peux y répondre. En évoquant la dynastie glorieuse qui régnait à cette époque-là et que l'histoire a appelée Macédonien. Nous étions des Romains par notre sens de la famille, où la femme, véritable gardienne du foyer, tenait une place inconnue en Occident. En témoigne l'impératrice Zoé, figure maternelle flamboyante, morte à 72 ans, après avoir épousé trois empereurs qu'elle enterra. Nous étions des Romains par le sens de la citoyenneté, du bien public et de l'État, véritable maison de Dieu sur terre. Que l'on songe à l'éparque de Constantinople, ce fonctionnaire chargé du bien public, des poids et des mesures, de l'approvisionnement, qui contrôlait 20 métiers, comme la qualité de la soie, qui veillait à ce que les boulangers utilisant leurs fours évitent les risques d'incendie dans une ville comptant beaucoup d'habitations en bois. Nous étions des Romains par le nombre de nos savants et l'habileté de nos artisans qui attiraient les visiteurs de la cour des califes et des confins de l'Occident. Ces empereurs surent faire quelque chose d'essentiel et de très courageux à mes yeux. Ils surent reconnaître la triste réalité. Nous n'avions plus le monopole de l'empire chrétien dans l'univers. Par exemple, l'un de nos empereurs offrit une de nos princesses à notre rival absolu. Je veux parler de l'empereur Germain Othon II qui lui aussi évidemment se prétendait empereur chrétien des Romains. Nous étions redevenus des Romains par le réalisme de notre politique, voulu par mes chers empereurs macédoniens. Ils surent conserver un empire de taille raisonnable, solidement ancré entre l'Asie et l'Europe, avec des frontières moins longues et plus sûres que celles de Justinien. Frontières défendues contre les Arabes chassés de Syrie et de Palestine, mais aussi contre les Bulgares, écrasés par Basile II. Cet empereur, surnommé le tueur de Bulgares, renvoya chez eux 15 000 d'entre eux les yeux crevés, guidés par 150 borgnes. Par la suite, leur royaume anéanti devint possession de notre empire en 1018. Richesse, stabilité, renaissance de nos valeurs me font évoquer dans ces commentaires une véritable apogée de l'Empire des Romains, mais que, hélas, nous ne sûmes retrouver par la suite. Cette place de Zadar, port sur l'Adriatique, a été successivement romaine, byzantine, carolingienne, austro-hongroise, yougoslave et aujourd'hui croate. Dans l'ex-Yougoslavie, la Serbie représente la part de l'héritage byzantin, celle de l'orthodoxie, qui se heurte au catholicisme croate. Cette place, je la vois comme un prisme. Sur les vestiges de la Rome impériale se dresse l'église de Saint-Dona, catholique, copie conforme du palais de Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, avec en arrière-fond les églises byzantines orthodoxes et les immeubles du socialisme ex-yougoslave. Un prisme qui révèle la coexistence conflictuelle de religions qui se sont affrontées dans un espace trop restreint.
Après l'an 1000, le pape Léon IX voulut donner une liberté à l'Église par rapport à l'empereur ou au roi. Principe dangereux. Où va-t-on si l'Église devient libre par rapport à son chef, notre empereur? Dans ce conflit, Michel Cérulaire, notre patriarche, voulut faire reconnaître sa supériorité morale sur les églises d'Occident en tant que patriarche œcuménique. Mais les légats du pape, depuis plusieurs semaines à Constantinople, vinrent un matin de juillet 1054 dans l'église de Sainte-Sophie et devant les fidèles qui n'en croyaient pas leurs yeux, déposèrent une bulle sur l'autel. Une bulle d'excommunication contre notre patriarche. Il était écrit que ne pouvant supporter les injures inouïes et les outrages adressés au Saint-Siège, l'anathème était jeté contre le patriarche et ses fauteurs. Ils secouèrent la poussière de leurs sandales en disant « Que Dieu voit et juge » et s'en allèrent de Constantinople. Cette rupture entre les deux églises, autrement dit le schisme, dure encore. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il était facile de lever une excommunication, mais on ne le fit pas. En fait, les chrétiens d'Orient et d'Occident pensèrent que tout finirait par s'arranger. Des événements qui passent presque inaperçus sur le moment peuvent s'avérer cruciaux pour l'avenir. Marina Milojovic, jeune croate catholique qui travaille pour le musée d'histoire de Zadar, me fait part des différences culturelles conflictuelles non encore apaisées. Vous savez, Byzance, ça a toujours été lié à l'Est. Et dès que vous dites Byzance, on associe tout de suite orthodoxie, l'Est, l'Orient. Et il y a toujours, disons, une phobie de l'Orient ici. Il y a quand même certains qui, parce qu'ils sont orthodoxes, devraient revendiquer un peu plus. Peut-être les Serbes, ici, oui. Parce qu'ils sont toujours tournés vers l'Est. C'est normal. Oui. Nous sommes catholiques, ils sont orthodoxes. Bon, nous sommes chrétiens tous les deux, ça, juste. Oui, bien sûr. Mais cette différence fait quand même une différence de culture, de façon de voir. Et on sait toujours, il y a toujours eu, oui, vous êtes comme ça et nous sommes comme ça. Mais les gens d'ici, disons, les Croates, ils ont toujours eu, disons, ils n'ont jamais ressenti cet héritage byzantin. Ou plutôt, ils ne veulent pas en faire état. On appelle ça plutôt l'art croate, disons, l'art croate tôt, oui, si je peux m'exprimer. Primitif, dans le primitif, sens, voilà, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Plutôt qu'à l'art byzantin. En fait, le lien avec l'Orient, bon, avec l'Orient dans le sens de l'Orient de l'Europe, oui. Les gens souhaiteraient qu'il soit le plus faible possible. Oui. Oui, quand même. Chaque fois qu'on a été ensemble, il y a toujours eu un essai de se décaler, de montrer que nous sommes quand même nous et ils sont eux. Ce que dit Marina Mijolovic, c'est qu'une partie de l'Occident s'est toujours sentie étrangère à la conception byzantine du monde. Les historiens se sont longuement interrogés sur l'utilité des empires universels. On pourrait répondre, en plaisantant à peine, que l'utilité de tels empires, comme l'Empire romain, devenu byzantin, a été de rendre viables des régions comme les Balkans. Ces Balkans qui produisent plus d'histoire qu'ils ne peuvent en consommer, comme disait Churchill. Je me rends à Mostar, en Bosnie, à quelques kilomètres de la frontière croate, pour retrouver l'écrivain bosniaque Predrag Matvejevic, témoin des phénomènes nationalistes récents, d'autant plus graves qu'ils ont été associés à une dérive religieuse intégriste. La destruction de ce monastère, oui, orthodoxe, Žitomyslíči, qui était connu par une série d'icônes éblouissantes. La relation, d'abord il faut dire que ce n'est pas une, il ne s'agit pas d'une guerre de religion, dans la guerre qui vient d'avoir lieu, dont nous voyons les conséquences. Mais les origines lointaines ont à faire avec la religion, je m'explique. L'alternative orthodoxe, catholique, byzantin, catholique romain, devenait la différence. La différence vécue dans un milieu primitif devenait opposition. L'opposition générait l'intolérance.
L'intolérance, elle, générait le conflit et le conflit, la guerre. De sorte qu'à la fin, on oublie complètement l'origine de la chose. Mais les contenus qui sont restés de toutes ces alternatives, différences, oppositions, intolérances, ont été parfaitement manipulables et hélas manipulés par cette guerre. Et vous voyez l'une des conséquences. Sachez qu'il y a beaucoup, tellement de mosquées, tellement d'églises catholiques et tellement de monuments orthodoxes qui ont été l'objet de la destruction au cours de la guerre balkanique dans les années 90. Cette partie des Balkans est en fait une couche, enfin plusieurs couches. C'est un millefeuille d'empire. Vous savez, quand on commence d'abord, il y a ici la rencontre de l'Empire byzantin, de l'Empire romain. C'est les deux premiers empires. Ensuite, nous aurons l'Empire ottoman, l'Empire autrichien. Pendant quelques temps, du côté de la Serbie, l'Empire serbe. Il y avait l'empereur Dusan qui était là. Et donc, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale aussi, l'Empire soviétique, parce que la Yougoslavie, jusqu'à 1948, avait fait partie. Donc, il y a six empires. Évidemment, chacune laisse ses traces. Chacune laisse des traces aussi dans la mentalité, dans la manière de se défendre. Et je crois qu'on en trouve dans ces contradictions, on voit qu'il y a un acharnement avec lequel on détruit. Oui, effectivement. Il y a une volonté de tirer, de frapper, de détruire, de anéantir. Et c'est cela, je crois, qui est nécessaire pour faire une explication vraiment profonde de ce qui s'est passé. Byzance est là, mais à terre. En fait, c'était l'entrée ici, et on voit effectivement quelque chose qui relève de l'architecture byzantine. Ici, nous montons par l'escalier, nous approchons à l'espace où se trouvait l'église même. Vous voyez ? Mais l'église, elle est où l'église ? Cher ami, là, mais l'église se trouve là, dans cet amas. Vous voyez le reste, l'église, après avoir été bombardée, a été dynamitée complètement, avec une rage d'extirper la trace de ce qui est byzantin. En fait, il y a deux choses dans cette destruction. Il y a d'une part la vengeance des Croates catholiques pour avoir été eux-mêmes la victime. Leur église aussi a été brûlée, détruite. Et donc, cette rage s'ajoute aussi à la volonté d'extirper de la zone tout ce qui a une trace byzantine, c'est-à-dire serbe. Alors, serbo-byzantin et croato-catholique se heurtent dans cet endroit. Parce qu'en fait, c'est encore une fois la preuve que Byzance était revendiqué par certains, rejeté par d'autres, en oubliant qu'au départ, l'histoire était commune. Assez commune. En fait, nous sommes dans la zone où la Byzance se termine en quelque manière. L'orthodoxie prend fin ici. Elle reprend dans les zones de la Bosnie, mais ici, nous sommes justement dans la zone de la frontière. Les cicatrices de l'histoire récente dans cet Orient de l'Europe m'obséderont longtemps durant mon voyage. La fin de mes chers empereurs macédoniens ne fut pas très heureuse. Un danger survint insidieusement et se transforma en une vague qui va durer 4 siècles et qui s'abat aujourd'hui sous nos murs. On les appelle les Turcs. C'étaient des nomades, venus des steppes d'Asie centrale, autrefois auxiliaires dans notre armée, et qui se transformèrent peu à peu en colons. Une de leurs familles, les Seljoukides, en 1055, s'empara du califat arabe de Bagdad. Choc terrible dont nous ne sûmes pas mesurer les conséquences.
L'immensité retrouvée de l'Empire grâce aux conquêtes des empereurs macédoniens nous avait rendus vulnérables. Car notre solitude nous mettait en contact directement avec les Turcs, peuple de la steppe. Certaines régions éloignées s'étaient vidées. Les petits paysans écrasés d'impôts se retiraient souvent de terres immenses et lointaines, laissées à l'abandon par des nobles qui préféraient résider à Constantinople. La monnaie elle-même se dépréciait, et ces nobles avaient moins d'argent au fur et à mesure que l'Empire se rétrécissait, entraînant le départ d'autres populations et l'incursion d'autres nomades. Un principe infernal. Les nomades turcs occupèrent donc ce vide. Et le 26 août 1071 se produit l'inimaginable. Une trahison en pleine bataille, aux confins de l'Empire, entraîne un sanglant désastre. Romain Diogène, premier empereur à être fait prisonnier. Mais il négocie avec eux et ses nomades quittèrent l'Anatolie. Les intrigues de la cour font que le traité passé avec les Turcs ne fut pas respecté et nous perdîmes presque toute l'Anatolie. Les Turcs, devenus musulmans depuis peu, y fondèrent un sultanat au pays des Romains. La nouvelle dynastie des Comnènes avait fait du clan familial le principe absolu de pouvoir. Les compétences comptaient moins que d'être cousin ou allié avec les Comnènes, seul vrai titre qui ouvrait aux hautes fonctions. Ce qui, à mes yeux, était contraire aux valeurs séculaires de la romanité. La réalité du pouvoir se réduisait de plus en plus au palais, où une myriade de cousins se disputaient les charges et les fonctions civiles et militaires de moins en moins nombreuses, alors que l'Empire commençait à se réduire tragiquement. Les dignités comme nobilissime ou curopalate furent dévaluées et on se mit à les multiplier et à les vendre aux tout venants. La prospérité demeurait, envers et contre tout, grâce à notre administration sans pareil, grâce aussi à ces petits paysans cultivant de mieux en mieux la terre, colonne vertébrale depuis toujours de la civilisation romaine et qui fournissait l'essentiel des revenus de l'État et des contingents de soldats fidèles et que nos sages magistrats protégeaient contre l'avidité des grands propriétaires. Enfin, les marchandises du monde qui continuaient de passer de plus en plus par Constantinople permettaient de surmonter la perte de nos territoires. À cette époque, les restes de notre empire se trouvaient en Thrace, en Dalmatie et en Italie du Sud, où des Varègues, ces descendants lointains des guerriers marins des îles du Nord, avaient su se tailler un nouveau royaume, en Sicile. Pour les contenir, nous dûmes alors demander de l'aide à une de nos anciennes possessions, Venise, qui était devenue peu à peu une puissance maritime presque rivale. Les relations d'une mère et de sa fille ne sont jamais simples. C'est comme cela que je vois celle entre Byzance et Venise. Fascination et répulsion. Une attitude que j'ai retrouvée dans l'histoire des Notaras. Fascination, car les Notaras et d'autres nobles byzantins qui sentent le déclin irrémédiable admirent cependant l'éclat de Venise. Répulsion, car pour leurs affaires, les Notaras ont plutôt privilégié Gênes, la pire ennemie de Venise. Les Byzantins sont fatigués de leur rêve et ils comptent sur la cité des Doges malgré les relations passionnelles entre les deux villes qui se rêvent mutuellement tout en se haïssant. La Byzance disparue est le fantôme qui me hante à Venise avec ses rues sombres et ses palais de marchands et de princes où tant d'intrigues et de complots se sont tramés. Manipulatrice géniale des deux empires de l'époque, le Saint-Empire germanique et l'Empire byzantin. Byzance est restée étrangère, aussi bien à l'esprit de la chevalerie occidentale qu'à la civilisation marchande de Venise. ...1082, date où commence la tentation de Venise. Je pense souvent à cette époque, en m'entretenant avec le représentant vénitien de l'avancée des Turcs sous nos murailles.
L'empereur Alexis Comnène avait octroyé aux Vénitiens un décret impérial revêtu du sceau d'or. Ce décret leur donnait le droit d'acheter et de vendre dans tout l'Empire sans payer de taxes et sans contrôle douanier. Et en échange de quoi ? L'aide de leur flotte pour combattre les Normands qui nous menaçaient depuis la Sicile. Je parle de tentation de Venise et de piège, car les Vénitiens avaient ainsi dans notre empire un commerce plus favorisé que nos propres marchands. Nous tombions dans la facilité de céder l'essentiel de notre position. Ils allaient avoir bien plus qu'un entrepôt et un quartier réservé dans Constantinople. Ils allaient revêtir nos habits et nous ressembler étrangement en devenant à notre place le seul intermédiaire commercial entre l'Europe et l'Asie, en nous ruinant et en nous aidant juste suffisamment pour ne pas tomber aux mains des Turcs. Leur jeu trouble était d'arbitrer entre le pape et nous, entre le pape et l'empereur chrétien d'Allemagne, successeur lointain de Charlemagne, arbitrer entre nous et les Turcs. Jeu subtil, intrigue auquel nous avions su exceller nous-mêmes. Nous essayâmes d'accorder des privilèges analogues à Gênes et Pise, les rivales de Venise, demander de l'aide à l'empereur d'Allemagne, mais cela ne servit à rien. Et nous ne pûmes que leur donner de nouveaux avantages commerciaux. Ils nous ressemblaient aussi par leurs villes, où le long de leurs canaux vivaient tous les peuples de la terre, comme à Constantinople, juifs, valaques, bulgares, des Albanais, des Arabes. La tentation de Venise était de payer pour survivre à court terme, et ce prix nous plongea dans une dépendance bien plus grande. Tentation de Venise pour les Byzantins qui pressentent la chute. Tentation de céder aux exigences des Occidentaux pour ne pas finir sujet d'un sultan. Tentation de renoncer aux rêves fondateurs, à la romanité, à soi-même, pour trouver la paix. À cette époque, régnait toujours la dynastie des Comnène, et l'Occident avait bien changé. Les rois et leurs princes s'étaient éloignés des valeurs romaines. Là-bas, la noblesse était associée à un certain courage physique, au goût des conquêtes et à l'appartenance à des lignages militaires, et non pas à la compétence et à la fonction comme dans notre empire. La noblesse d'Occident était source de tous les dangers. L'Occident se couvrait de châteaux et forteresses, d'où bruissaient d'étranges rumeurs. Des prêtres qui portaient l'épée. Fait inconcevable, choquant, horrifiant. Des bruits qui parvenaient à la cour de Constantinople faisaient état de ces hommes d'église réunis dans des ordres religieux militaires. En 1095, ces religieux conduisirent des groupes de fanatiques, composés de Francs et de Germains, encadrés par des lourds cavaliers vêtus de métal, avec le soutien du pape, pour aller délivrer le tombeau du Christ par les armes. Notre empereur, Alexis Ier Comnène, facilita le passage de leurs armées vers l'Asie, mais en ayant la sagesse de renforcer les murs de notre ville. Ils atteignirent tout de même Jérusalem, en se taillant des petits royaumes sur la route, non sans avoir subi la fureur des Turcs. La nouvelle du massacre perpétré par ces nobles cavaliers en l'année 1099 à Jérusalem nous parut une confirmation des funestes pressentiments que nous avions eus. À cette époque, nous n'avions pas bien perçu le principe de la croisade. Non pas le fait de se battre pour la foi, mais un tel combat ne relève-t-il pas exclusivement de l'empereur et de ses soldats? Du fait de ces croisades, les Turcs furent pour un temps chassés d'une grande partie de l'Asie et nous pûmes respirer et rétablir un moment la prospérité économique de l'Empire. Cette prospérité retrouvée n'avait pas échappé aux Vénitiens. Mais il y eut une autre croisade, celle de 1203, qui, au lieu d'aller vers la Terre Sainte comme toutes les autres, finit sous les murs de notre ville. Ce furent les Vénitiens, et eux seuls, qui avec leurs intrigues, firent que les bateaux des croisés, bateaux leur appartenant évidemment, au lieu d'aller reprendre Jérusalem, cinglèrent vers Constantinople. Puis un prince allemand eut l'idée que les croisés pourraient bien établir sur le trône de Constantinople un empereur à la dévotion de l'Occident. Cette idée ne pouvait que réjouir le doge de Venise, Enrico Dandolo. Arrivés devant Constantinople, les croisés profitèrent des intrigues de la cour et des ambitions du jeune Alexis Angelos pour l'installer sur le trône. Mais notre peuple comprit qu'un tel empereur ne serait qu'une marionnette aux mains des Latins. Alors les croisés qui s'étaient habitués à la magnificence de Constantinople se dirent qu'après tout, ils n'avaient qu'à prendre la ville pour eux-mêmes. Et en avril 1204, 3 jours de mise à sac,
répétition de celui de Jérusalem, des fleuves de sang, soif de possession et de tuerie de ceux qui découvraient ce à quoi ils n'avaient jamais eu accès, ce à quoi ils n'avaient jamais eu la possibilité de rêver, leur imagination étant trop pauvre, ce qui décuplait encore leur rage de destruction. Des membres du clergé latin y prirent leur part aux côtés des soldats du Christ. Voilà où la tentation de Venise nous conduisit. Byzance s'est vengé de Venise, en lui inoculant sa part de mysticisme et de torpeur orientale délétère, qui aura plus tard raison des Vénitiens eux-mêmes. Pour moi, le sac de Constantinople par les croisés est la vraie mort de Byzance. La ville que tout le monde désirait ne s'en remettra jamais. Le lien avec l'Antiquité était rompu. Néanmoins, l'empreinte byzantine en Occident est toujours présente et l'écrivain Philippe Solers, de passage à Venise et grand admirateur de celle-ci, le reconnaît bien volontiers. Finalement, la splendeur de la Renaissance occidentale s'est nourrie de la culture byzantine. Il y a évidemment un trésor, vous le voyez à Venise, sa marque, Piloti, Byzance. En même temps, cette nourriture riche, coupolée, mosaïquée, icône, plate, ce Dieu qui est là et qui n'évoluera plus jamais, est avalée, dialectisée. Et vous avez dans Venise, qui est quand même l'exemple même du transfert d'une civilisation à une autre, la négation de son origine, la négativité. C'est évident. Vous arrivez à Venise, vous avez le Venise byzantin, toute la tradition, c'est pas vrai. Et puis vous avez tout à coup la Venise baroque, la Venise de Palladio, l'éclatement. La révolution, c'est d'opérer une scission, enfin, coupure, de couper cette relation du père et du fils en les mettant à égalité. C'est-à-dire que ça ne sera plus l'icône révérée chargée de sacré. Ce sera la libre inspiration de tous les sujets religieux, mais profanes aussi. C'est-à-dire que les corps vont se développer en dehors de toute sacralité. C'est une désacralisation. Cette désacralisation est tellement extraordinaire qu'elle vous donne accès tout à coup à quelque chose de jamais vu, de jamais entendu et à une liberté inouïe. Donc Byzance va se rétracter, va se solidifier d'un point de vue de pouvoir aussi sur quelque chose qui n'ouvre aucune perspective, aucune autre perspective que celle de la dévotion. Une dévotion très belle d'ailleurs. Il y a les icasmes, tout ça, enfin bon, c'est la prière, c'est... Mais quelque chose qui fait que vous êtes appendu au Dieu, que vous n'avez pas votre liberté d'action par rapport au Dieu, que vous n'incarnez pas vous-même le Dieu. Et bien entendu, une Vénus à la fourrure de Titien n'aurait pas pu être peinte en orthodoxie. Je vous crois. Les Byzantins n'avaient donc pas su faire la grande coupure entre le sacré et le politique, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est l'autre tragédie de Byzance. Mais comme toutes les bonnes tragédies, celle de Byzance porte en elle une part de renaissance. Ce sera celle de l'Occident, grâce aux marchands, aux artistes et aux princes mécènes. D'ailleurs, on disait à l'époque que si le marchand accumule l'argent, son fils se préoccupe de science et de comptabilité et son petit-fils devient amateur d'art. Dans l'église Saint-Georges de la communauté grecque de Venise, Monseigneur Gennadios m'accueille et me fait découvrir quelques-unes des icônes byzantines offertes par mon aïeul, Anna Notaras, la jeune fille à laquelle son père dictait ses mémoires. Anastasis, Kyrie, la résurrection.
Le quartier du Castello à Venise a été l'un des foyers de la diaspora byzantine. Peut-on imaginer Venise sans ces Grecs qui ont lancé les acteurs de la Renaissance italienne vers des voies nouvelles ? La célèbre bibliothèque Marciana, juste en face du palais des Doges, est l'un des résultats de ses apports. Cette Renaissance de l'Occident a pu se faire en partie d'ici, grâce aux savoirs qui firent le voyage de Byzance à Venise. Monsieur Marino Zorzi, le directeur, me fait l'insigne faveur de pouvoir admirer de près quelques manuscrits de la science et de la philosophie antique et byzantine. C'est un contemporain de mon ancêtre, Luca Notaras, le cardinal Bessarion, grec converti au catholicisme, qui a su comprendre la portée des trésors accumulés à Byzance et en fit don à l'Occident. Compléter un livre qui a été écrit dans la fin des années 60 par un historien grec Koutivas sur la famille Notaras, qui est Lucas Notaras. Le mégaduc a, semble-t-il, été élevé chez les Dominicains. Il connaissait la culture religieuse occidentale. Voilà. Lucas avait deux palais. Et un donc à Constantinople et un autre à Pera. S'il a été de ceux, il ne pouvait pas avoir l'un des Occidentaux puisque toute sa fortune était à Gênes. Ceci est le Codex 388 qui a appartenu, c'est un des livres qui a appartenu au cardinal Bessarion. Oui, c'est un livre que Bessarion a fait faire, un manuscrit qu'il a fait faire pour lui, pour son usage. C'est un très beau atlas, un Ptolémée pour l'exactitude. Ici vous voyez le roi Ptolémée, puisqu'on croyait que le géographe c'était le roi d'Égypte, qui est représenté avec le symbole de son pouvoir, de sa science. Et après il y a le texte qui a écrit par un copiste grec qui s'appelait Rosos. Et anche Bessarione a fatto molto in questo atlante. Lui stesso ha scritto i nomi geografici. Sono delle pagine scritte da lui e probabilmente anche delle carte. Qu'admirent-ils ces touristes, sinon les vestiges d'un monde fascinant ? Le lion de Saint-Marc et les chevaux de la basilique, entre autres. Venise a été le metteur en scène génial de l'Orient de l'Europe, d'une Europe hybride qui se libère dans un décor d'inspiration byzantine. La cathédrale de Saint-Marc recèle non seulement des modèles architecturaux propres à Constantinople, mais aussi une partie du butin ramené ici après la croisade de 1204. Après le sac par les croisés et l'incendie des sanctuaires, les insignes et trésors de notre empire romain, qui ornaient Constantinople comme les chevaux de bronze de l'entrée de l'hippodrome, furent érigés à Venise, qui put ainsi s'enorgueillir. Notre empire se replia sur des petits territoires, coincés entre les Turcs et la Constantinople devenue latine. L'affreux Enrico Dandolo, le doge de Venise, et les autres latins avaient cru pouvoir se partager notre empire, mais ils ne survécurent pas au chaos qu'ils provoquèrent. Après un peu plus de 50 ans d'occupation par les latins, Constantinople n'était plus que l'ombre d'elle-même, ville dans laquelle l'empereur latin vendait des reliques pour vivre, et brûlait pour se chauffer les charpentes de son palais. La ville s'était presque vidée de sa population et des quartiers entiers tombaient en ruine. L'intérieur de la ville des villes ressemblait à la campagne. Ironie de l'histoire, la reconquête entreprise par nos empereurs fut facilitée par nos vieux ennemis, les Bulgares, qui s'attaquèrent eux aussi aux Latins. Grâce à Michel VIII, paléologue, le fondateur de la dynastie de ce nom, nous reprîmes d'abord Mystra et ensuite Constantinople, en juin 1261. Mais les Ottomans, une nouvelle famille nomade turque, avaient déjà pris pied en Europe et nous encerclaient peu à peu par des attaques et des jeux d'alliance, y compris avec certaines de nos familles. Il nous fallait de l'aide, car les Turcs avançaient très vite. Ils avaient déjà écrasé l'Empire serbe lors de la bataille de Kosovo. J'évoque ces visites en Occident
où les empereurs cèdent ce qui nous reste de symboles prestigieux attachés au titre d'empereur des Romains, ce qui consternait déjà mon père qui les accompagnait en tant qu'ambassadeur. On cède l'essentiel, la direction de l'orthodoxie au pape, ce que tentèrent les empereurs Jean V et Jean VIII au cours de différents conciles, dont le dernier à Florence. On continue à céder des avantages commerciaux vitaux, soit aux Vénitiens, soit aux Génois, ce qui explique que maintenant, durant ce siège, ces derniers dirigent notre défense sur les murailles. En échange de ces concessions, des sourires, des humiliations, comme le jour où Jean VIII, paléologue, voulut mettre en garantie des rubis pour obtenir un prêt du Sénat vénitien. Il lui fut répondu qu'on ne pouvait estimer l'inestimable et il lui fut seulement accordé une somme d'argent pour ses frais de séjour. Ou alors, en échange de ces concessions, on obtient des secours symboliques, comme ces quelques poignées d'hommes envoyés par le roi de France, mais sans grand résultat. Le peuple de Constantinople ne voulut jamais l'union avec les Latins. Je crois même qu'il se sentait plus proche de la ferveur religieuse des musulmans. Les Occidentaux considéraient que notre empire était devenu marginal. Ils nous laissèrent tomber. C'est alors que j'ai prononcé cette phrase : plutôt le turban du sultan que la tiare du pape. Qui s'adressait autant à mes compatriotes qu'aux Latins, car je considérais que le problème de l'union religieuse était, depuis déjà très longtemps, sans importance. Le sultan turc Mehmet II concentre autour de Constantinople la plus puissante artillerie jamais réunie. J'avais bien connu son père, l'ayant rencontré pour négocier un traité de paix. Le fils n'a malheureusement pas hérité du sens du compromis de son père. Au contraire, il fit construire à côté de Constantinople, dès 1452, et seulement en 5 mois, une grande forteresse qui coupa nos communications avec la mer Noire. Et depuis plus d'un mois, il a mis le siège devant nos murs et son artillerie creuse des brèches que nous n'arrivons pas à colmater. Un maître d'artillerie germain a mis au point pour le sultan des canons qu'on n'a jamais vus auparavant. Cet esprit pragmatique, ouvert sur l'innovation, c'est ce qui m'étonne le plus chez ce jeune sultan. Il a eu cette idée inouïe de faire transporter une grande partie de sa flotte dans la Corne d'Or en contournant la grande chaîne qui barrait l'entrée de celle-ci, en faisant passer les bateaux par la terre, traînés par des bœufs sur un chemin de bois. Ce chemin de bois passait derrière Péra, le comptoir commercial génois en face de notre ville. Ces Génois, soi-disant nos alliés, ne nous ont rien dit. Et nous venons d'apprendre que la tentative d'incendier les bateaux turcs, qui maintenant sont dans le sanctuaire de la Corne d'Or, juste sous nos murailles, vient d'échouer. Je suis très inquiet. Notre empereur, Constantin Paléologue, que je sers, m'a fait mander ce matin pour une ultime réunion. Nous avons appris par un de nos espions que les troupes de l'islam préparent une grande attaque. Prévu pour dans 2 jours, le 29 mai. Le conseil a décidé d'organiser des processions demain dans les rues. Durant cette journée aura lieu une liturgie à Sainte-Sophie et nous recevrons tous, l'empereur, la cour et une partie du peuple, les derniers sacrements. Je ne peux m'empêcher de regarder cet observateur vénitien. Je tente de négocier avec lui pour qu'il sorte Anna de la ville encerclée. Je confie donc à ma fille ce manuscrit. Quant à ma personne, à l'empereur et au dernier des Romains, je ne sais pas ce qui nous arrivera quand le soleil se lèvera le 29 mai 1453 et que les Turcs donneront l'assaut. Dieu seul le sait. Ce 29 mai 1453, le dernier empereur de Byzance, Constantin XI, tomba héroïquement sur les murailles de Constantinople en défendant un empire réduit à une ville. Le même jour, Mehmet II entra à cheval dans Sainte-Sophie, où une foule considérable, réfugiée sous l'immense nef pour prier, avait été égorgée. L'église fut transformée en mosquée, mais le sultan turc épargna la plus grande partie de Constantinople, qu'il avait désirée par-dessus tout. Depuis, cette ville s'appelle Istanbul. Le grand-duc Lucas Notaras, dernier chancelier de l'Empire, fut décapité. Anna Notaras réussit à atteindre Gênes et ensuite Venise, où elle fut enterrée après une longue vie.
Bien plus tard, les notaras revenus à Istanbul y occupèrent de hautes fonctions aussi bien dans l'administration de l'Empire ottoman que dans l'Église orthodoxe, et certains émigrèrent en Roumanie. J'ai grandi dans ce pays au temps du régime communiste. J'ai pris conscience du passé de ma famille quand mes parents m'amenaient visiter les monastères de Moldovitsa et de Suchevitsa dans les Carpates, qui témoignent là aussi d'une Byzance après Byzance. L'héritage de Byzance concerne la moitié de l'Europe. Et d'Athènes à Moscou, en passant par Bucarest, la chute de Constantinople résonne encore dans ces pays comme une nostalgie d'un Orient de l'Europe, partie intégrante de celle en devenir.